Bonjour, bonjour ou rebonjour si vous étiez déjà avec nous en ce début de journée. Bienvenue sur le circuit de Nevers-Manicourt, deuxième rendez-vous du GT World Challenger Powered by AWS en version Spring Cup. Quatrième rendez-vous si l'on tient compte aussi des deux épreuves d'endurance disputées à Imola et sur le Nürburgring. Et dans quelques instants, nous allons nous attaquer à ce qui sera donc la séance qualificative, ô combien importante évidemment dans les compétitions sprint de ce GT World Challenge Europe Powered by AWS, une compétition GT3 européenne qui revient à Laurent Mercier pour la première fois sur le circuit de Nevers-Manicourt, première fois depuis 2011. Oui. C'était il y a 9 ans, c'était... Est-ce que vous étiez né? Oui, vous étiez né. J'étais né, j'étais là. Vous étiez là. Ouais, vous étiez là. C'était les années notamment année. Des BMW ouais, Z4. C'était la première année de la Blancpain Endurance Series. Le championnat sprint lui est revenu en France, enfin est venu en France plutôt à Nogaro. C'était la dernière fois de mémoire en 2015. Et le remaniement du calendrier fait que on a un meeting au sprint sur ce magnifique circuit de Manicourt et avec aussi un magnifique soleil. Oui, un soleil remarquable et des conditions idéales véritablement pour ce GT World Challenge Europe Powered by AWS. On a un peu l'impression d'être encore en été. Ça tombe bien parce qu'on y est encore en fait. L'été qui s'arrêtera effectivement dans une petite dizaine de jours maintenant. En attendant, on va profiter de ces dernières chaleurs, de ces derniers rayons du soleil et surtout, Laurent, d'une grille de départ pour ce GT World Challenge Europe en version Sprint Cup. Une grille de départ à nouveau très très excitante. Avec Mercedes, Audi, Ferrari, Lamborghini, Bentley et Lexus, 6 marques au départ. Difficile de faire mieux, hein. Oui, effectivement, on va vraiment se régaler. Alors les grands favoris sont bien sûr Mercedes et Audi qui non seulement sont là, le poids du nombre, hein, 8 Mercedes AMG GT3, 7 Audi R8 LMS GT3. Et puis en plus, Laurent, on a dans les deux clans, que ce soit Mercedes ou Audi, des équipages absolument remarquables et on s'en doutait évidemment qui viennent directement se placer aux avant-postes ici. On l'a vu lors des essais libres d'ailleurs, où ces deux marques ont dominé les essais libres, ce qui ne veut pas dire loin de là que l'on n'aura pas d'autres surprises durant ces essais qualificatifs. Non, exactement. En plus, la première séance d'essai a eu lieu de nuit, hein, puisqu'on aura une course ce soir qui sera disputée en nocturne. Donc il faut aussi que tout le monde prenne ses marques. Ce n'est pas un circuit qui a été emprunté par les équipes. Autant pas mal d'équipes sont allées rouler, notamment à Misano, hein, pour préparer le meeting au sprint. Autant à Manicourt, ça a été un petit peu plus compliqué. Les difficultés pour voyager n'ont pas forcément aidé. Et on a des pilotes en plus qui viennent d'assez loin, puisqu'on a un championnat quand même qui est très très international, hein, avec un pilote notamment qui vient du Japon, avec Ruichiro Tomita qui roule sur une Audi WRT. Donc, on a un Russe aussi qui avait gagné d'ailleurs. On a l'habitude de le voir effectivement. Parmi les nouveaux, on a effectivement un Japonais, Ryushiro Tomita-san. Non, Tomita-san. Tomita-san, d'accord. Tomita-san pour maître Tomita. Enfin, en tout cas, voilà, une marque honorifique. Laurent, passionné du Japon, nous l'avait expliqué à Misano. On a, c'est un habitué aussi, mais on a un Sud-Africain. Avec Kelvin van der Linde, bien évidemment. Et puis, on a deux Belges qui, pour l'instant, mènent le championnat. Dries Van Toor, d'un côté, Charles Hertz de l'autre, l'Audi R8 LMS numéro 32 du Belgian Audi Club Team WRT, qui a donc remporté deux courses sur trois à Misano. Elle avait terminé quatrième de l'autre course, qui était en l'occurrence la course 2. Ils ont bien bien démarré la saison du côté Audi, puisqu'on a Dries Van Toor et Charles Wirth sur la voiture de WRT en tête du championnat des pilotes avec 13 points d'avance sur une autre Audi, celle de Christopher Haas et d'Arthur Rougier, qui est la voiture que l'on a à l'image pour l'instant, l'Audi numéro 25 de l'équipe Saint-Éloc. Et puis on retrouve une première Mercedes, celle de Lucas Stolz et Maro Engel, 3e, 4e Timur Bogulavski et Raffaele Marcello. Donc depuis Misano, le match Audi-Mercedes est lancé. Est-ce que l'on pourrait voir, Laurent, ce match arbitré, par exemple, par les Lamborghini de l'équipe Émile Frey? On peut. On sait que on connaît la solidité du team Émile Frey et des équipages. Hein. Giacomo Alto et Albert Costa, ça va très vite. Il faut aussi se méfier, hein, parce que du second équipage qui avait vraiment brillé en début de saison avec Michael Grenier et Norbert Sidler, qui s'était plutôt illustré en endurance plus qu'en sprint. Mais c'est sûr que Émile Frey Racing, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lamborghini et Émile Frey Racing n'ont pas l'avantage du nombre, hein, puisqu'on n'a que deux Lamborghini. On n'a plus Anjouan FFF Racing Team qui se concentre sur l'Intercontinental GT Challenge et la partie endurance du championnat GT World Challenge. On va aussi surveiller d'un œil tout attentif le team CMR, le team français,
qui débute cette année avec avec Bentley, qui a connu un petit souci, un petit couac durant la première séance d'essai. Vous avec une voiture. Un petit souci, un incendie, on va dire. La voiture a brûlé. Il a fallu rapatrier une voiture de chez M Sport en Angleterre. La voiture est arrivée cette nuit. Il a fallu la remonter et enfin la préparer du moins, la bichonner un petit peu. La voiture de Hugo Chevalier et Pierre-Alexandre Jean. Et on a eu l'occasion d'en parler avec Charlie Bourachaud ce matin en arrivant sur le circuit Laurent, qui saluait vraiment, qui dit waouh, le service des gars de Bentley et de M Sport. Il dit ça a vraiment été impressionnant parce qu'ils se sont pliés en quatre pour nous permettre malgré tout, après ce début d'incendie, de pouvoir disputer ce meeting. Il dit dans d'autres circonstances on aurait dû déclarer forfait, la voiture était vraiment trop endommagée pour rouler, et il dit ils nous ont proposé une autre voiture, ils l'ont amenée, elle est arrivée cette nuit, et il dit le service disait-il de cette équipe compétition client, hein. On est clairement dans de la compétition client ici, c'est-à-dire qu'on a des constructeurs qui fabriquent des voitures et les vendent à leurs clients, le customer racing. Il disait vraiment on était très très impressionnés, sympa hein, Charlie Bourachaud évidemment et son équipe CMR qui débute cette année cette relation avec Bentley, et on espère que ce sera une relation sur le long terme, même si en l'occurrence ça a été un peu difficile. Ils étaient montés sur le podium à Misano, on se souvient, avec Nelson Ponchatici et Jules Gounon. Durant les essais libres hier c'était un peu moins cela, un peu moins performant. On va voir ce que ça va donner durant les essais qualificatifs qui sont bel et bien lancés pour l'instant. Il y en a en pole position très provisoire bien sûr Arthur Rougier, 1:36.958 pour l'Audi Saint-Éloc. Deuxième temps à l'instant pour Jim Pla sur la Mercedes de l'équipe AKSP, qui est l'une des voitures engagées dans la catégorie Silver. Steven Palette sur l'Audi numéro 26 est en troisième position, et puis on a Giacomo Altoé, le jeune pilote italien, qui vous emmène à bord de ce Lamborghini. Il s'énerve un peu Giacomo Altoé, c'est vrai qu'il a commis une petite erreur là à la sortie de l'épingle d'Adélaïde en se laissant trop déborder, et ce sont directement quelques dixièmes de seconde qui s'envolent. Et on sait qu'en plus hein, ce championnat est tellement compétitif que le moindre dixième qui s'envole est synonyme de la perte de 5 ou 6 places sur la grille de départ hein. Ouais, attention de bien exploiter tout le jus du pneumatique, la performance optimale du pneumatique Pirelli. Il faut bien le comprendre, bien l'exploiter sur ce circuit. Regardez, on voit directement, hein, il a perdu du temps, Giacomo Altoé. Et beaucoup d'équipes en plus, comme on l'a dit, hein, découvrent ce circuit de Manicourt, doivent aussi faire face aussi au nouveau pneumatique Pirelli, hein, le DHE hein, qui fait son entrée dans les championnats GT3 cette année. Donc il faut aussi que la mayonnaise prenne. Hein. On sait que le championnat a été décalé, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'essais qui ont été faits avant le début de saison. Donc c'est forcément, il faut un petit peu de temps pour remettre la machine en route à 100%. Oui, et on a clairement vu des voitures qui et des équipes qui comprenaient mieux le nouveau pneu que d'autres, ce qui peut expliquer un certain changement de hiérarchie. Il y a aussi des voitures qui s'accommodent mieux du nouveau pneu au niveau des réglages. Il y a des voitures qui ont été bien tout de suite, c'est le cas notamment de la Lexus. On va revoir, je pense, Laurent. Regardez, il est un peu large. Allez, hop, dans la poussière. La voiture qui a bougé un peu, il a perdu du temps. Giacomo Altoé, qui est néanmoins troisième pour l'instant de cette première séance qualificative. Quatrième maintenant, oui. Et cinquième. Oui, parce qu'on a eu deux améliorations entre temps. On a eu l'amélioration de Steven Palette qui est à la maison ici. Steven Palette, c'est sa course à domicile. Steven Palette et Simon Gachet, c'est l'autre voiture de l'équipe Saint-Éloc, la numéro 26, Laurent. Et ce sont d'ailleurs les leaders du championnat Silver, donc le championnat qui associe deux pilotes classés Silver par la FIA. Mais soyons honnêtes, Steven Palette et Simon Gachet, ils vont pas se contenter de briller en silver cette année. Non, c'est aussi un équipage qui va falloir surveiller pour les positions de tête au général. Hein. On connaît le talent et la pointe de vitesse de Steven Palette et de Simon Gachet. En plus, Simon Gachet, lui, il a un double programme ce week-end, puisqu'il roule aussi pour Saint-Éloc Racing, mais en championnat de France, FFSA GT, donc sur l'Audi, mais dans la version GT4. Alors que Steven Palette, lui, peut se concentrer sur son programme GT3. Et c'est Lucas Stolz maintenant hein, sur la Mercedes du team Opto Racing Team, crédité du meilleur temps 1:36.701 pour Lucas Stolz, qui fait équipe avec Maro Engel. Là aussi un équipage à surveiller, et l'équipe Opto Racing hein, qui prend la suite de Black Falcon. Lucas Stolz et Maro Engel, qui avaient connu un week-end à Misano où ils sont montés sur le podium lors de la course 2, mais c'était pas vraiment le week-end attendu, hein, clairement, pour les champions Endurance Cup 2018. Et là, ça va mieux par contre. Ouais. Et mon ami Ruichiro Tomita, deuxième temps. Vraiment, alors j'ai eu l'occasion de discuter hier assez longuement avec lui, Ruichiro Tomita, pardon, et qui est vraiment aux anges de rouler dans un championnat européen, donc qui a établi un petit peu sa base en Belgique, puisqu'il ne peut pas retourner au Japon et faire les allers-retours. Donc, ce qui lui permet de découvrir un peu plus l'équipe WRT, puisqu'il habite pas très très loin
de chez WRC. Donc il reste en Europe et il roule un petit peu sur simulateur sur Assetto Corsa Competizione pour apprendre les circuits, ce qui est plutôt pas mal. En l'occurrence pas Manicourt. Non, en l'occurrence pas Manicourt, mais sur les autres. On l'avait vu déjà avec Kito Tsuyama en Super GT et aussi en Intercontinental GT Challenge. Alors, sachant Kito Tsuyama est soutenu par WRT pour le programme japonais. Et vraiment un pilote qui est âgé de 31 ans et qui est vraiment très très bon. Et qui a pas mis longtemps à se mettre dans le rythme. Il nous a convaincu à Misano, hein. Ouais, clairement, ça a été ouais. une des bonnes surprises, Ryushiro Tomita. Alors là, lui, ce qu'il me disait hier, ce qu'il a un petit peu de. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il est venu en Europe. Il dit, moi, au Japon, le problème, c'est que les courses sont trop. Il n'y a pas de contact, vraiment, le moindre contact est pénalisé. Il dit là en Europe, moi je voulais un peu plus de baston. Il voulait de la bagarre. Voilà. Il dit là au moins on me laisse rouler, c'est assez chaud par moment. Donc il dit là je suis assez content de rouler en Europe. Ouais, il y a eu quelques contacts d'ailleurs entre. Un peu trop peut-être. Parfois, notamment au Nürburgring la semaine dernière, mais où Ryushiro Tomita n'était pas puisqu'il dispute uniquement la Sprint Cup. Et donc les épreuves, sprint, les épreuves d'une heure avec un calendrier. Légèrement modifié, évidemment, on le sait, hein, conséquence de ce Covid-19, où on aura 4 rendez-vous au lieu de 5 cette année dans la Sprint Cup. Lucas Stolz un peu large du côté de l'épingle d'Adélaïde. Et on a vu aussi furtivement à l'image, hein, l'une des Ferrari de Tempesta Racing, le team Sky Tempesta Racing, qui pour ce meeting de Manicourt aligne une deuxième Ferrari pour un certain Giancarlo Fisichella, quand même pas n'importe qui. Triple vainqueur en Grand Prix, voilà, double vainqueur de GT 24 Heures du Mans aussi. Hein. Associé à Jonathan Huy. Et en fait, Giancarlo Fisichella, il vient rejoindre le trio habituel que l'on voit en endurance, qui est Jonathan Huy, Chris Rogat et Eddie Cheever. Par contre, comme on ne peut rouler qu'à deux, on avait mis Chris Rogat et Eddie Cheever sur une voiture. Le pauvre Jonathan Huy était tout seul sur le côté. On lui a dit, écoute, c'est pas grave. On va te mettre Fisichella. On va te mettre un pilote qui a un petit peu d'expérience, voilà, à côté de toi. 47 ans, hein, Giancarlo Fisichella. Mais, est-ce qui fait que cette voiture roule en pro-am, oui, comme la deuxième d'ailleurs. Et hier, Giancarlo Fisichella qui a brillé lors des essais libres avec un troisième temps général. Alors certes, il a profité du fait qu'il avait des pneumatiques un peu plus frais puisque cette voiture n'a pas roulé à Misano, mais quand même, il fallait encore le faire. Et il avait signé le meilleur temps en pro-am aussi pour la deuxième séance. Il doit connaître Manicourt en plus, Giancarlo Fisichella. Hein. Ouais, il a dû rouler quelques fois, ouais, hein, parce qu'il était en Formule 1 durant toute la période, notamment du Grand Prix de France de 1991 à 2008. Effectivement, donc il a eu l'occasion de rouler très souvent ici sur ce circuit de Manicourt, même si le circuit a un peu évolué. Alors au niveau des bâtiments en 2014, avec la modification de pas mal de bâtiments et puis qui avait changé au niveau du tracé en lui-même en 2003 puisqu'on avait changé toute la partie finale autour de ce que l'on appelle le virage du lycée en fait. Et là on a resurfacé en plus le circuit il y a très peu de temps, hein, puisqu'on a profité un petit peu du confinement et aussi surtout de la fin du confinement, donc plutôt du déconfinement, pour terminer le resurfaçage de la piste. Lucas Stolz actuellement en pole position, une 36-701. Il reste 8 minutes dans cette séance qualificative. Voilà, Jonathan Huy, l'équipier, on vous le disait, de Giancarlo Fisichella sur cette Ferrari du Sky Tempesta Racing. On a 3 Ferrari engagées. Elles sont toutes les 3 engagées dans la catégorie Pro-Am. Malheureusement, pour Ferrari comme pour Porsche, pas de voiture engagée en Pro. J'espère que ça reviendra, hein, à l'avenir. Et à noter, Laurent, très très belle performance de Nelson Ponchatici sur la Bentley qui vient de s'offrir le 5e meilleur chrono à 173 millième de la pole position. Nelson Ponchatici. Et si je tiens à placer cette performance vraiment sous le feu des projecteurs, c'est parce qu'il faut bien le reconnaître. Hier, lors des essais libres, on a souffert dans le clan Bentley. On était à plus d'une seconde au tour. Apparemment, on a bien travaillé cette nuit sur les réglages et sur la voiture du côté de l'équipe de Charlie Bourassa, parce que voir cette voiture à moins de 2 dixièmes de la pole, c'est la preuve d'une évolution plus que notable par rapport à hier. Donc bien joué de la part de l'équipe CMR qui vient se placer dans le top 5 provisoire. Ouais. Nelson Ponchatici aussi, hein, qui peut profiter aussi des conseils avisés de Jules Gounon, son coéquipier, qui connaît parfaitement la Bentley Continental GT3. On savait, hein, de toute façon qu'il faudrait un petit peu de temps à CMR pour bien appréhender cette voiture. On sait que du côté de Charlie Bourassa, on a fait beaucoup d'essais avant le confinement aussi. On en a refait à la sortie du confinement. On est allé rouler sur différents tracés où le GT World Challenge Europe va rouler. Et ça permet de se préparer aussi, de bien apprivoiser cette Bentley Continental GT3, oui, qui est peut-être pas forcément la voiture la plus simple à faire rouler.
Et avec une conduite à droite aussi, ce qui demande un peu d'adaptation du côté des pilotes, puisque le poste de pilotage est à droite. Et donc malgré tout, avec un bolide qui est quand même assez imposant, il faut bien le dire, bah, il faut savoir où mettre les roues. Nelson Pancetici, il faudrait pas oublier non plus de le rappeler, Laurent, qui a eu l'occasion d'accumuler les kilomètres au volant de la Bentley depuis, puisqu'il était au Nürburgring en endurance, ce qui n'était pas prévu au départ, mais il a rejoint l'équipe CMR pour son programme en Endurance Cup également. Et donc finalement, l'air de rien, il n'y a pas de miracle. Plus vous roulez à bord d'une voiture, plus vous vous sentez en osmose avec cette voiture. Et le cinquième chrono de Nelson le prouve, ancien double champion de l'European Le Mans Series avec Alpine. Là, à l'image, la Bentley. Et qui va faire aussi les total 24 heures de Spa, Nelson Pancetici avec CMR. Ouais. Alors là, il va vraiment manger. Si tout va bien, il va manger des kilomètres. Là, il n'y a pas de souci. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors que l'autre Bentley aussi, du team CMR, celle qui a été donc rapatriée depuis l'Angleterre, est en piste aussi avec Hugo Chevalier. C'est un petit peu plus loin dans les chronos avec le 20e temps pour le moment à une seconde. Ouais, mais rappelons évidemment qu'Hugo Chevalier et Pierre-Alexandre Jean, ils n'ont pas fait eux un mètre avec la voiture hier durant les essais officiels. Donc ils ont juste roulé un peu durant les essais collectifs qui étaient de nuit en plus jeudi en fin de journée. Et ils ont été assez rapidement interrompus ces essais collectifs avec ce début d'incendie. Donc clairement, il va leur manquer du roulage. Ouais, et Oscar Tounreau, un Colombien en première ligne provisoire. Oscar Tounreau, l'ex-pilote de monoplace qui est passé du Belgian Audi Club Team WRT où il roulait l'an dernier au Toxport WRT. Rien à voir entre les deux puisqu'on a une équipe belge qui est dirigée par Vincent Vos et une équipe allemande et WRT dans ce cas-là vient de World Rally Team, Laurence, c'est ce que vous nous disiez à Misano. Et Oscar Tounreau qui vient se placer en première ligne à 4 millièmes de seconde de Lucas Stolz. Alors ça, il faut aller le faire. On l'a rarement vu à Paris Fête, Oscar Tounreau, que l'on a beaucoup vu en ADAC GT Masters aussi en Allemagne par le passé. Ouais, et on sait que ça avait été compliqué d'ailleurs à Misano pour Toxport WRT qui n'avait pas roulé, donc forcément ça avait été un peu compliqué. Ils avaient déclaré forfait, donc c'est la première véritable séance finalement. Et pendant ce temps-là, Ezequiel Pérez Campagne qui améliore, le pilote argentin lui aussi vient d'ailleurs de l'équipe WRT où il roulait l'an dernier. On l'avait vu auparavant avec le Grasse Racing Team. Et en fait, tout le monde, Laurent, a effectué un tour. Attention, parce qu'on va voir Oscar Tounreau qui est là à l'image. Tout le monde a effectué un tour, Laurent. On est rentré dans la voie des cendres. On a changé les pneus et on repart pour une deuxième tentative. Ezequiel Pérez Campagne, le plus rapide pour l'instant. 1:36.675 pour la Mercedes numéro 90 de l'équipe Matt Panda Motorsport avec en logo un panda. Voilà. Et on n'a toujours pas la... Mais Laurent, non, j'ai toujours pas la réponse pour la signification du mot Mat Panda. Le panda fou. Dites donc, vous n'allez pas devenir Tintin le reporter demain, vous, dans vos recherches. Thomas Mosca, le plus rapide. Changement de pole position. Je m'en souviendrai. L'Audi Atento, 1:36.517. Thomas Mosca, jeune pilote italien, qui est un pur produit, quelque part, des coupes... Audi, puisqu'il avait à l'époque disputé l'Audi Sport TT Cup il y a 2 ou 3 ans de cela. C'est un jeune italien, mais qui va vite et bien. Tommaso Mosca nous avait épaté à Misano. On s'était dit, mais il évolue un peu sur une piste qu'il connaît bien. Il est chez lui. Et bien, avec Mattia Drudi comme équipier, j'ai l'impression qu'il pourrait de nouveau créer la surprise ici sur le circuit de Manicourt. C'est bien de voir des jeunes comme ça qui arrivent. Pôle provisoire donc pour Tommaso Mosca. Mais attention à Lucas Stolz, qui est le plus rapide de tous dans le secteur 2, qui descend maintenant après le château d'eau direction la partie du lycée, le complexe du lycée, avec ce virage à droite un peu plus serré qu'à 90 degrés, et puis directement il faut se replacer pour la chicane bien escaladée. Les vibreurs, est-ce que ça va nous offrir une pole position du côté de Lucas Stolz? C'est bien, oui, pole, 1:36.504, pole pour 13 millièmes de seconde pour Lucas Stolz face à Tommaso Mosca. Et Michael Grenier qui vient se placer à 76 millièmes avec la Lamborghini Emile Frey. Nelson Pancetici améliore, il est quatrième à 87 millièmes, les quatre premiers en moins d'un dixième de seconde. Et Aurélien Panis aussi, un cinquième à 1/10, 133 millième donc sur la Lexus. On a l'image, la Lexus RCF du team TK Racing. Qui était parti deux fois de la pole à Misano. Ouais, et qui est chien noir depuis le début de saison en termes de résultats. Autant en termes de performance, tout va plutôt bien pour cette Lexus du team TK Racing de Sarah et Simon Abadi. Par contre, en course, en termes de résultats, on a connu pas mal de problèmes depuis le début de saison, encore le week-end dernier au Nürburgring en endurance. Et on espère briller, évidemment, avec un équipage composé de Thomas Neubauer et d'Aurélien Panis. On espère briller à Manicourt. C'était Thomas Neubauer qui avait signé les deux pôles à Misano. Et là, c'est Aurélien Panis qui se montre aux avant-postes. Cinquième, sixième maintenant chrono, parce que Steven Palette vient d'améliorer. Et il rentre dans le top 3. Steven Palette,
qui s'offre une place dans le top 3 provisoire de cette séance qualificative. Elle est passionnante, cette séance qualificative, Laurent, puisqu'on a 5 voitures dans le même dixième de seconde. Vous vous rendez compte, vous concédez 87 millièmes en GT World Challenge Europe et vous êtes 5e sur la grille départ. On parle de 87 millièmes de seconde. Si on devait mettre ça en mètres, ça fait, je sais pas, ça fait 2 mètres peut-être sur l'ensemble du tour, maximum. C'est un peu plus compliqué par contre hein, pour Timur Boguslavski, un coéquipier de Raphaël et Marcello sur la Mercedes AKSP numéro 88. Pour le moment, le pilote russe il pêche un petit peu avec le 15e temps. À 15e temps, tout est relatif, à 5 dixièmes, hein, donc c'est pas non plus c'est pas non plus le bout du monde, mais 5 dixièmes, ça vous met 15e. Et on a 20 GT3 en 8 dixièmes. Hein, quand même. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et désormais, Laurent, on a 6 voitures dans le même dixième. 6 voitures dans le même dixième, parce que Michael Grenier vient de s'intercaler également parmi les 6 premiers. Michael Grenier, il a concédé 76 millièmes à Lucas Stolz et il est 6e. Et ça fait 4 marques. C'est pas possible. 4 marques dans le top 6. Avec Steven Palette en pôle pour 21 millièmes. Oh mais c'est pas possible, mais quelle séance! Quelle séance, le pilote de Bourges, on est, il est pratiquement à domicile, oui, ici, oui, Steven Palette, pratiquement à domicile. 21 millième devant Lucas Stolz, 34 millième devant Thomas Omoska, 38 millième devant Ezequiel Pérez Campagne, 95 millième devant Aurélien Panis et 97 millième devant Michael Grenier. Michael Grenier est seulement 6e de cette séance et il n'a même pas concédé un dixième de seconde. Difficile de faire mieux. Hein. C'est, ouais, c'est impossible. Trouvez-moi un championnat plus compétitif pour l'instant. 6 voitures en 1 dixième. Et vous l'avez dit, Laurent, si on regarde en fait dans le classement, on a les 20 premiers en moins de 8 dixièmes. Et donc les seuls pilotes qui sont un peu plus loin, ce sont Louis McKills. Et assez logiquement, ce sont les pilotes de la catégorie Pro-Am, évidemment. Et donc les pilotes amateurs, Louis McKills qui est un peu moins de 2 secondes, Valentin Pierre-Burg et Lee Molle. Qui contre, sont les mêmes. A... Oh, Laurent, Lucas Stolz dans sa dernière tentative reprend la pole. Et Michael Grenier deuxième. Et Michael Grenier deuxième, c'est pas fini cette séance. C'est pas fini. À votre ami. Et Charles Wirtz sixième remonte aussi dans la hiérarchie hein, sur l'Audi qu'on a à l'image. Et attention, non non, ça c'est celle de Tomita. Ouais, ouais, c'est ça, qu'on c'est avait. De Tomita. Oups là, petite glisse à l'entrée de la chicane pour Tomita. Il a perdu un peu de temps à mon avis. Top 11e temps à 628 millième. Bon. Quelle séance! Et là, on a deux pilotes qui ont frappé très très fort, Laurent, dans leur dernier tour. Ce sont Lucas Stolz sur la Mercedes de l'équipe HRT et Michael Grenier sur la Lamborghini. Et ça fait plaisir de voir cette Lamborghini Émile Frey aussi aux avant-postes hein, parce que ça n'avait pas été simple pour Lamborghini du côté de Misano. On connaît évidemment le talent de Michael Grenier, hein, ancien pilote d'Indy Light, ancien champion du Lamborghini Super Trophée Europe, vice-champion de l'International GT Open l'an dernier déjà avec Émile Frey et Lamborghini. Et puis si vous êtes des fidèles de ce GT World, vous vous souviendrez qu'il avait été champion en Silver Cup avec la Jaguar en endurance il y a 2 ans avec Adrian Zoug et avec Fontana, Alex Fontana, le trio donc qui avait été champion Silver avec cette Jaguar, dernière année de la Jaguar hein, d'ailleurs. Et donc deuxième temps pour Michael Grenier, 77 millième derrière Lucas Stolz. Steven Palette, meilleur temps de la catégorie Silver et excellent troisième du classement général, le pilote de Bourges. Et bien c'est bien pour Steven Palette qui est à 296 millième finalement de la pole. Tommaso Mosca qui est quatrième à 403 millième. Donc en fait Steven Palette, Laurent, a amélioré lui aussi dans son dernier tour. Tommaso Mosca 4e, Ezequiel Pérez Campagne sur la voiture Matt Panda, eh bien c'est une excellente séance qualificative pour lui également, il est 5e. Et puis on a Charles Wirtz 6e, Aurélien Panis, et là on voit en fait hein, Laurent clairement sur ce classement c'est serré entre la 4e et la 11e place. Laurent, il y a moins de 2 dixièmes de différence. Ça promet une course nocturne animée. En nocturne, c'est vrai, rappelez-le, c'est vrai Laurent, vous avez raison de le rappeler. En nocturne totale d'ailleurs ce soir. Ouais. Avec un départ à 22h15. 15, ça va être 22h15, 23h15.
pourra vérifier. On va vous redonner l'heure exacte, effectivement, de cette course ce soir. On vous retrouve en direct. Vous pouvez profiter d'ailleurs du direct sur la page GTL. Et c'est 22h15, effectivement, pour le départ. Oh, Laurent. C'est un peu large hein, pour Nelson Pensiatici. Hein. Et bien voilà, pour cette première séance qualificative, rendez-vous ce soir, départ à 22h15, on vous retrouvera en direct à partir de 22h. Ah, on vient pas à 17h. Non, ça ne sera pas à 17h. Vous, okay. Vous vouliez être là à 17h? Non, mais on peut, c'est pas... On peut, hein, si vous voulez, on se retrouve à 17h. Moi, ça me va très très bien en ce qui me concerne. Merci en tout cas, Laurent. Mais quelle séance, ça promet. Ça promet. Rendez-vous à 22h pour la première course. Et puis, on aura le GT4 France auparavant à partir de 19h45. À tout à l'heure. À tout à l'heure.